On a passé la journée en avion. On s'est levé à 2h ce matin. On a fait une escale. Notre avion a été reporté. Puis là, ben, on vient d'arriver. On est fatigué. Fait qu'on prend ça relax parce qu'on va avoir une grosse journée. On attend l'autobus pour prendre. Pour aller au zoo, au jardin botanique. Puis. Une montagne all in the rock. Ailleurs, parce qu'il y a un petit bout dans une roche. Ramassez pas avec quoi. Days in the sun, and everything we need. Salut la gang! On est présentement au Botanical Garden. Desert. on regarde la flore. Puis c'est ça, on est en Arizona présentement, c'est notre première journée. Il y a plein de petits cactus, plein d'affaires. C'est vraiment beau. Oui, fait que. Puis aussi, on a découvert que le mesquite, ça fait plein de choses. C'est un des bois qui brûle le plus longtemps. Fait que c'est parfait pour faire de la cuisson. Ça fait aussi une épice. Ça fait un fruit. Fait que si vous voulez venir, j'ai un code promo. 10% de rabais avec F20. Swipe up! And so I walk to thee. The sun on the window of my car. And I say, whoa, 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 to the winter on my window. And I miss you most when the sun. Life little tears across these empty sheets and days in the sun and Ben Howard on repeat. Fait qu'on vient d'arriver au zoo, un très gros zoo. Donc là on se promène puis on regarde ça, on va voir combien de temps ça va nous prendre parce que c'est vraiment grand. Fait qu'on aime ça. Plus grand que le zoo de Grand Bay. Oui. Days in the sun. Nights under the streets, and I'm singing to my mother, singing to the sea. See, I've been singing to my father, singing to the trees, singing to the things. Donc là, on est le Hole in the Rock. Donc c'est ça qu'on s'en va. On s'en va monter dans ce cas-là. Singing to the sea, see, I've been singing to my father, singing to the trees, singing to the things that help us breathe. Days in the sun. These days are on vient de monter le Hole in the Rock. C'était vraiment pas long. Il y a même des petites marches là, pour nous aider à monter puis tout. Fait que c'est bien fait puis c'est cute place. Allô. Allô. Donc on est jour 3. Là, aujourd'hui, c'est pas mal la journée plus calme. On va downtown à Tempe. On va aller peut-être faire des tours de trottinette à Phoenix. Après une heure de marche dans Tempe, on a finalement trouvé une place parce qu'on est arrivé à 7h30, 8h. Puis tout était fermé, fait que là on cherchait quoi faire. Fait que là on a trouvé un lac. C'est quoi? Ouais, c'est Temple Town Lake. Ouais, fait que. Voilà. C'est de l'eau. I just say whatever, cause there is no way you're found. Everyone falls down sometimes. But you just gotta know it all. Manger des genres de Michigan. Moi, un dog Michigan avec la sushi. Ouais. Et puis, ça fait que là, on est rendu au Arizona Center. On s'attendait à ce que ce soit des magasins, mais en fait. Il y a juste des restaurants. Ouais. Fait qu'on tourne en haut depuis ce matin. À suivre. On va trouver quelque chose à faire à Mané, j'imagine. Regardez le soir. Yes. Some days you wake up and nothing works, you feel surrounded. Gotta give your. Finalement, on a trouvé une belle place, ça s'appelle The Churchill. Puis c'est vraiment une belle place, dans le fond, il y a des jeux de hockey, il y a plein de petits restos. Ça passe comme un petit cercle, il y a un toit, puis tu sais, il y a des ressources. Ouais, en bois de palette. Ouais, en bois de palette.
Fait que c'est vraiment beau. Fait que c'est ça qu'on a trouvé finalement. Après avoir été au Tempe Market, qui finalement c'était un centre commercial, on est venu au Swap Meet, qui est un genre de marché aux puces. Fait qu'on est revenu à Phoenix. Puis Camille s'est trouvé quelque chose. Oui, une petite couverture bien mexicaine. Wow! Donc voilà, finalement, là on retourne à la maison. Bon matin! Bon matin! Donc jour 4, on est le 9 janvier. Là aujourd'hui c'est journée musée, donc on attend que les musées ouvrent, fait qu'on cherche un petit café. Fait qu'on va agrémenter notre culture aujourd'hui. Donc là on est rendu au Pueblo Grande Museum. Donc dans le fond c'est qu'on vient voir des ruines d'une ancienne tribu Ohokam. Ohokam, oui c'est ça. Donc, ça c'est les ruines de. Donc on est rendu au Tempe History Museum. Donc en fond, c'est l'histoire de la ville de Tempe, puis à côté de la rue principale Mills Avenue. Ouais. Ok, donc là on finit de visiter le Azu Art Museum de céramique. Fait que dans le fond, c'est des sculptures en céramique contemporaine. Donc là, on est à Mesa depuis à peu près une heure où on a fait les boutiques, mais pas mal tout était fermé, mais on a trouvé une belle boutique d'antiquité. C'était vraiment giga, fait qu'on va y retourner quand on aura plus de temps. À suivre! In the sky, your helicopters. Keep coming round like buzzing bees. They refuse to smell the honey. Ok, donc aujourd'hui on est au Suspicion Mountain Museum. Juste avant ça, on est arrêté au Jack in the Box. Yeah. I can't tell you think it's all gone. Ok, so, on vient de finir le musée de la superstition. Dans le fond, ça disait un peu tous ceux qui ont voulu découvrir la mine puis qui sont disparus mystérieusement et tout ça. Donc, on continue notre journée. Always trying to look over my shoulder. Show you what you just can't see. Donc on est rendu à Ghost Town. Apache Junction. Qui est dans le fond un village abandonné. There's nothing we can hide. And you dealt the three of clubs and thoughts that you could win. It's so absurd what you've got knocking in your head. Now I'm not saying that I'm angry. But what the heck? Hey, we're done. Yeah. Monastery. Right. We start over again tomorrow. Yeah! Next to me. Donc, jour 5 de notre périple. Aujourd'hui, on s'en va à Sedona. Ouais. On a arrêté ici pour voir la vue. Donc, on va aller faire la montagne Bell Rock avec le vortex et tout ça. I'll show you what you just can't see.
Donc, on vient de commencer à monter la Bell Rock Mountain. Mountain, yeah. Donc, c'est ça, fait que ça, c'est plus en haut. Ouais, on sait pas si on va aller jusqu'en haut, on va voir. Je pense pas. Mais ouais. Sinon, d'ici, la vue est vraiment belle. Distorted vision lines are bending. Your watchtower is useless if you don't see. Ok, donc on a monté jusqu'à... Non, on est proche du haut. On est proche du haut. Ouais. Puis je sais pas si je ressens le vortex. C'est dur à dire, mais je sens une bonne énergie. Donc. En fait, on sent bien en ici. Ouais, c'est ça, on sent vraiment bien. Il n'y a pas de trail. Ah, c'est ouais. Vraiment une aventure. Tu vas vraiment où tu veux dans le fond. Puis, tu te sens vraiment plus libre. On dirait que tu es laissé à toi-même. C'est peut-être pour ça que les gens, en fait, se restent coincés. Ouais, c'est ça. Ok, ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Donc, c'est sûr que dans le fond, on vient de descendre, on a terminé. Puis, après réflexion, oui. Pour l'énergie qu'on ressent, dans le fond, c'était, on montait puis on n'était pas essoufflé. Ouais, on était bien. Comparé, par exemple, à la Ball in the Rock. C'est ça, c'était plus facile comme montagne, apparemment, mais on le montait puis on était essoufflé puis on dirait que c'était lourd. Tandis qu'ici, c'était facile puis on sentait de l'estime, on était bien. Ouais, fait que c'est pas, je sais pas si c'est le vortex, mais c'est juste une bonne énergie on dirait qu'on a. Ouais, fait que c'est vraiment fun à faire. On recommande. Ah ouais. What you just can't see. Here we are. Grand Canyon. Grand Canyon. C'est immense. Vraiment. Ça vaut la peine de venir. Something to behold, elegant and bold. She is electricity. Notre terrible de taco, en fait, on a goûté au taco de Jack in the Box. En premier. Après ça, on a goûté... À celui de Del Taco. Del Taco, oui. Ouais. Puis là, on va goûter au Taco Bell. Ouais. Donc, on va voir c'est quel est le meilleur. À suivre. Bon matin! Donc, on est arrivé au Grand Canyon à 7h pour voir le sunrise. Donc là, il est 8h, on tourne autour en voiture, puis il fait vraiment froid. Ouais, je suis sûre qu'il fait dans les négatifs. C'est sûr. Alors, on n'est pas capable de rester plus que 10 minutes. Ouais, je dirais qu'il fait peut-être moins 10. Faire le tour du Grand Canyon, on s'en retourne à Mesa, puis dans notre tour, on va arrêter à plusieurs petits endroits qu'on ne sait pas encore. Ok, attends. Faut profiter de la vue à terre. Je sais pas si vous êtes possible de voir. Allons-nous. Allons-nous pas savoir. En tout cas, on voit même pas le fond, by the way. Ouais, c'est juste ça dans le fond. Inside, don't want any trouble in your mind. Won't you let it be? I never should have told you. I never should have let you see inside. Don't want any trouble in your mind. Won't you let it be? I never should have told you. I never should have let you see inside. Don't want any trouble. Bon. Fait qu'on a couru toute la journée, puis là on est de retour à Superstition Mountain parce que Camille! Pas juste passeport. Moi, ok? Pas juste moi. Qu'est-ce que tu veux aussi un bracelet? Ah voilà. Donc on est de retour.
bon matin, jour 8. Ouais, avant-dernier jour. Ouais, donc on s'en va au musée du sport naturel. Puis après ça, on va passer la journée à Messa, faire les petites boutiques d'antiquité puis tout. Donc une autre petite journée relax, quoi. Ok, donc là on vient d'arriver au Museum of Natural History. C'est ça. Malheureusement, il est fermé seulement lundi et on est lundi. Donc c'est ça. Faisons autre chose. Fait qu'on a pris une poutine. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, souvenir de la maison. Moi j'ai pris un petit mac and cheese là, ben gras. Poutine là, oh. Mais bonne, surprise. Les frites là, oh wow. Ok, donc on vient de finir de manger au Snacks and Latte. Honnêtement, c'était, je pense, la meilleure poutine que j'ai mangée de ma vie. Ce qui est un peu triste parce que c'est pas du Québec. Mais les frites là, wow. Un pur délice. Okay, on a pris l'autobus tantôt et on est arrivé à Scottsdale. Donc, apparemment, c'est quelque chose de vraiment touristique. Fait qu'on va regarder ça à suivre parce que là on est allé dans le fond à Mesa, on est allé après ça à Tempe et puis là on est à Scottsdale. Ouais. Once I descended from the mountain. Donc on a passé la journée finalement à Scottsdale pour si vous voulez acheter des trucs de souvenirs, c'est vraiment la place, c'est vraiment très touristique. Fait qu'on a fait tous nos achats qu'on voulait. Hein? Oui. Voilà, donc on retourne à la maison. Bon matin, donc dernier jour, jour 9, on part demain. Aujourd'hui on va à Pitago Park. Puis après ça on va se réessayer au parc d'histoire naturelle. À suivre, fait que voilà, donc c'est ça notre petite journée. Puis ce soir c'est Taco! Attends. Taco tu. Taco Tuesday. Oh, I should be. I'm not really honest, babe, and that's not really fair. There's a force of power that I keep with ambiguity and the rest that I'm not prepared to share. Camille. Camille, elle voulait aller monter dans des trails que c'était pas vraiment une trail ou on sait pas trop. Fait que là, je sais pas comment on va dire ça. On va falloir appeler les urgences. Voilà, voilà tout. Oh, c'est tellement dramatique. C'est toi qui dis qu'il fallait appeler les urgences. Elle voulait pas venir monter montagne. Fait que là, elle est juste en train de chialer. Je suis malade. Juste dire, c'est des roches de même en descendant. On pourrait débouler toutes les roches. Hein? Je pensais que c'était plus une triomphe d'aventure que ça. Pas aujourd'hui. Je veux juste dire au revoir à cette vue. C'est magnifique. J'ai beau être désagréable et chialer, mais j'apprécie quand même ce que je vois présentement. Donc voilà.
notre visite du musée of History Natural Museum. Les musées d'histoire naturelle, bref. Ouais, c'est un petit musée, c'est bien intéressant, c'est fun. Ouais, ben un petit. C'est quand même gros. Non, finalement, c'est ça, il y a plein de sections à peu près par rapport à toutes. Ouais, fait que on vous conseille d'y aller. C'était bien le fun. Yep. Where are we? Baja Joe's. For what? Taco Tuesday. Yay! Bon matin. Fait que là, on s'en va à l'aéroport, on va prendre l'avion. À part ça, update pour les tacos, les positions de ce qu'on préférait. Première position, Del Taco. 2 Jack in the Box. 3 Taco Bell. Ils ont les Taco Bell, on boycott. Ouais, mais mettons fast food. Oh. Donc on est à l'aéroport. Puis on est à Phoenix encore. Donc on attend notre vol de 9h45. Ouais, on rentre à 9h05, fait que là on attend un petit 1h30 pour aller à Washington. Ça va faire plus, une heure et demie? Hein?